dur de streamer des jeux quand on n'a pas les accessoires pour. Oui, vous me voyez de haut comme ça parce que je peux faire. Toi, petit scarabée, je te désigne comme watcher de mon super pas mauvais score. Sur ce son, on va jouer à quoi? Eh ben, on va jouer à Vector Strain. Alors, Vector Strain, c'est quoi? Bah, moi, je l'ai chopé parce que c'était une promo, genre le jeu à moins de 1 euro. Ben oui, on est comme ça, hein, c'est la vraie vie. Et je me suis dit, bon, bah, les shmups, je collectionne un poil, je suis un petit peu chronique accroché dessus. Un shmup à moins d'un euro, on va pas refuser. Et il se trouve que ce shmup a peut-être des vertus éducatives, on va dire. On va le regarder ensemble. C'est pas un jeu incontournable, c'est pas un jeu nécessaire. Pour quelqu'un qui a jamais joué un môme, faites jouer un môme à Vector Strain, ce sera très bien. Il se trouve que c'est un jeu d'étudiants en fait, et ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'essaye de conserver un certain enthousiasme. Pour le maintenir et que ces petits gars, ben, ils ont posé des idées, ça serait sympa qu'ils aillent plus loin. Ils en sont capables, ils peuvent le faire. Les petits gars, si vous m'entendez, vous pouvez le faire. Voilà. Donc on va jouer à ce jeu. Je vais enlever la musique fournie gracieusement par Frontline Assembly qui va me faire flaguer sur YouTube. Et donc, on va passer sur ce petit jeu. Ce petit jeu, il n'est pas petit. C'est. Comment dire? C'est particulier. En plus, ce soir, je vous fais un stream live à l'arrache. Je vous préconise d'être comme moi, d'avoir récupéré de quoi boire et fumer à côté, quoi. Parce que c'est. Ouais, c'est fait pour ça. Let's go party, baby, start game. Alors, je vais quand même vous faire voir un truc, c'est que, alors dans les options qui sont déjà géniales, on vous explique que au gamepad, ce sera move, bomb, shield, fire à droite. Les gens qui vont rencontrer le fire à gauche, ne soyez pas surpris, c'est effectivement ce qui va se passer. Moi-même, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. On est prévenu par l'interface quand même, qui est relativement efficace. Et donc, le fire à droite sera à gauche. Je vous le dis. Eh oui, je suis comme ça, moi. Monsieur, madame. Alors, on va prendre celui-là. Parce qu'il a une énorme. Enfin, il est bleu. Et on va prendre. Je voudrais bien jouer joystick, s'il te plaît. Et cette interface, déjà, elle pue du cul dès le démarrage. Mais, ce sont des jeunes, je le rappelle. Et on va player. Play. Vamos a la playa. Que c'est dur. Je vais essayer d'être bon. Parce que je ne garantis absolument pas. Avec la symétrie de ce vaisseau qui a tendance à tirer un peu à droite. Est-ce que ça a été fait par des gens un petit peu fans de xénophobie? Va savoir. Oh là 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 là. Faut que c'est compliqué. Des pas à terme déjà, genre je te tire dessus, mais je ne te vise même pas. Parce que c'est un petit peu ça le truc. D'ailleurs, on va tester. Bon, je me suis jeté dessous. Ça ne marche pas quand je me jette dessous quand même. Mais on va la refaire. Ouh là là! C'est vrai que tout à l'heure, j'avais joué, j'étais pas bourré. Bon, enfin. Voilà. Ouh! Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Monsieur, monsieur, non. Enfin, je gère la dynamique du vaisseau, en fait. Pour me remettre un petit peu dans le bas. Ouais, special weapon, ta mère. Ah putain, je regardais le retour. Je suis désolé. Bon, ne pas regarder le retour. Alors, en fait, je voulais vérifier les niveaux de. Qu'on entende bien les conneries que je dis. C'est super important. Ouais, on va faire ça, game over. Ok, moi je suis pour l'Amoursoft. L'Amoursoft qui se fait d'ailleurs avec des oreillers et des objets en caoutchouc. Ah.
y arriver. Je reviens vers vous. Résume, exit. Non, résume, man. Putain, fais pas le con. Pour une fois qu'il y a un retour vidéo dans la caméra, les gens vont être suivis, ils vont faire. Mais c'est lui, ce méga gamer qui ne voulait pas être vu sur. Hein, quoi? Qui me parle? Bon, je vais refaire le grand-père Simpson si vous me faites chier là. Ok, vas-y, paye ton interface, trop génial. Oui. Mais attention, je vais jouer là. Je vais essayer. Donc, bouton gauche. Tire à la con. Bouton droit. Méga bon. Et contrairement à ce qui est indiqué sur l'interface, c'est le trigger de gauche pour faire un bouclier. Voilà. Allez, j'arrête de déconner. Enfin, je vais essayer plus de 3 minutes. Je ne donne absolument aucune garantie. Parce que j'ai indiqué quand même sur Twitter que j'étais d'humeur un poil chafouine, quoi. Et quand je suis d'humeur chafouine, bah, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Ouais, trop de boulettes, les filles. Hop, 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 malheureux. Et si je veux me gratter le nez, moi, je fais comment? Ouais, je suis venu me gratter le nez, sérieux. Ah oui, non, mais si je me jette sous les boulettes, ça y est, je suis reparti dans un bad mood. Alors, ça c'est un truc, déjà, je t'explique. Quand tu vas le faire voir aux noobs, si tu leur fais ça, ils vont faire. Ouais, mais s'il faut avoir toutes les armes pour avancer dans le jeu, ça va me saouler. Alors moi, je suis pas un noob. C'est ça la grosse chance que t'as, ami développeur. C'est moi, je m'en bats un peu, quoi. Et bah, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que déjà, sur tes armes, t'as un déséquilibre qui est complètement con. En plus, on va se choper assez rapidement les missiles autoguidés. Merde. Putain, je les adore ces tirs, je me jette dessous en permanence. C'est fou, ça. Et donc, je disais, ami développeur, oui, sur ton flux, là. Bah, c'est merdique. Putain, j'étais arrivé là, j'avais déjà plein de biellons. Ah, c'est miséroïde ce que je vous fais comme stream. Je suis absolument désolé. Je suis vraiment très très désolé. Le jeu n'est pas dur, hein. Faut juste qu'il n'y ait pas une personne bourrée qui joue avec. Pour l'instant, on a des patterns, mais qui sont cons comme des mathématiques. Tu me diras, d'un autre côté, les shmups, c'est rien d'autre que des patterns en mathématiques. Hein. Mais bon, il y en a, ils sont bien faits. Genre, ils te donnent un aspect optique où, genre, tu te mets en mode affolement total. Genre, non, je ne passe pas là. Entre ces boulettes, c'était pas possible. Il me faut ma méga bombe. Par fierté. Et si tu n'en as plus, à ce moment-là, tu te rends compte ce que c'est que l'humilité en fait. Alors moi ce que j'aime pas en fait c'est qu'on peut pas ralentir les mouvements du vaisseau. Voilà. Genre moi j'aime beaucoup alterner les phases où hop je me déplace soudainement et je me déplace comme une belette. Ça me rassure, j'aime bien. Pas pouvoir me faufiler parce que je suis un peu vieux aussi il faut dire j'ai des problèmes d'optique. Yish! Alors, le truc que le jeu va t'apprendre progressivement, en fait, c'est que. Putain, ce scrolling qui bouge en même temps que tes boulettes, c'est pénible. Le truc que le jeu va t'apprendre progressivement, c'est que. Le cancel que tu vas avoir par le bouclier que je n'ai encore pas utilisé depuis le démarrage du jeu, ce qui explique mes nombreux fails d'ailleurs, c'est. Oh, tu suis quand je t'explique là? Donc, bah en fait, c'est que le bouclier va avoir une énorme importance. Il va falloir générer ton énergie par rapport à ton bouclier pour pouvoir avancer. Mais quand tu as compris ça, et que tu es dans des patterns de boulettes qui sont pas quand même super sexy, quoi, ben ouais, il y a un jeu qui est sympa, qui est bien fait, mais voilà. Là, je suis en mode roboto.
Là, j'aurais dû mettre mon bouclier. Mais moi, je veux pas jouer avec le bouclier, c'est histoire de que je sois marrant. Parce que voilà, le bouclier, je passe. Ah, désolé, game over. Mais attends, j'ai pas fait voir le bouclier. Madame, madame, refait. Alors, je vais vous faire voir la recette quand même du mazout au passage. Parce que c'est super important. Qu'est-ce que j'ai sur votre vidéo? Ah, le mazout. Donc, c'est un quart de Jack. Et bah, le reste avec de la boisson gazeuse quelconque, même prise dans des endroits absolument non nommables. Y compris ceux qui font les bénéfices des plus grandes fortunes de France, que sont Carrefour, compagnie, que je ne nommerai pas dans ce stream pour ne pas être familier. Falgué, ce qui est un nouveau terme de l'intifada. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On va y arriver, je vais quand même passer le premier niveau parce que quand j'ai lancé le jeu cet après-midi, j'ai réussi à passer les trois premiers niveaux en bouquinant quoi. Et moi je pense que c'est un problème technique et que mon écran affiche pas la bonne fréquence, on va dire. Yeah! Bon allez. Cette interface fait avec le cul est génial. Bon, le bouclier il est où du coup? Ah, il est là. Gâchette droite inférieure. Ah putain, faut pas que je me prenne un hockey en même temps, ça serait dommage. Boum boum boum. Ah non, mais vous êtes méchants, les gars. Ça va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. Alors, un petit truc qui est chiant, c'est genre, voilà, c'est comme dans tous les shoots, tu focus sur ton gros qui arrive. Pardon. Putain, parler en même temps, c'est pénible. Tu focus sur ton gros qui arrive pour pas te faire remplir l'écran, quoi. Mais voilà, c'est un poil restrictif quand même. Ils sont où mes missiles autoguidés que j'avais tout à l'heure? Bouge un peu trop vite ce vaisseau. Ouais, non, mais j'ai pas envie d'être gentil là sur Swan. J'ai fait de la merde deux fois pour présenter aux gens et parler en même temps, disant des conneries. Maintenant, je vais essayer de faire un passage joué. Ouais. Ah, c'était erreur. Alors, truc sympa, c'est que la bande-son a l'air d'être faite par les potes des gens qui font la dev. Donc, ça y a un petit côté fait main que j'aime beaucoup, je dois avouer. C'est quand même sympa d'avoir des mecs qui sont là, genre avec une vraie basse, une vraie gratte, à vous faire un machin de bourrin, quoi. Et la BO de ce jeu, bah, du coup, est très très bien. Attention, gros méchant! Alors, c'est où tes parties cliquilignotes, petit connard? Parce que moi, je suis pas là pour me faire emmerder, quoi, je veux dire. Non, mais attends, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Ah, mais je me suis mis sur quoi, là? Quelle erreur. Ah ouais, non, mais on va pas rester là où c'est pas bien. On va faire un truc sain, t'sais, de gens qui s'aiment bien.
Mais je me jette sur les boulettes, sérieux, c'est quoi ce stream? Alors, les gens, s'il y a des gens dans le chat, vous pouvez gueuler, rembourser. Parce que moi, je suis totalement d'accord. Tiens, dans ta gueule, une bombe, c'est fait, c'est réglé, je fume ma clope. Merci, au revoir. Putain, mais c'est quoi ça? Ouais, performance. Bah, premier run, j'ai fait S. Mais là, bah, bon, vous avez le run. Voilà. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Allez, les méchants, viendez. Alors, concernant les critiques, j'ai essayé de parler en même temps. Hein, on sait jamais, ça peut arriver. Ouais, non, mais il y a plein d'idées, mais. Ça manque un peu de graffeux, déjà, et d'une. Mon vaisseau, il pue du cul, là, quoi, il tient rien. Non, mais sérieux, il pue du sbeul. Putain, parler en même temps, c'est chiant, quand même. Ouais, non, il y a plein d'idées. Regarde, ça c'est joli le fait de scroller dans les niveaux, tout ça. Moi je trouve ça génial. Mais bon, il y a un tel manque de composition sur sortie des bestioles, enfin des vaisseaux qui passent à l'écran, qui sont là des victimes en fait, ça s'appelle. Des mecs qui se jettent délibérément sous tes tirs en te faisant croire que toi. Ah, tu ne vas pas survivre, sauf si tu fais comme moi et tu te jettes sous les tirs. Et derrière un scénario et tout. Et ouais, c'est quand même con quoi. Oui. Je vais faire voir quand même le deuxième boss qui est rigolo. Au revoir. Bon, je pense à faire ce shit, j'y pense absolument jamais. Parce que moi, me shielder dans un shmup, c'est trop bizarre. La musique, elle est vachement bien quand même. C'est fait par un vrai groupe avec des vrais gens qui jouent de la vraie musique avec des vrais instruments, quoi. Ça fait plaisir. Eh, les ongles. Eh, non, mais il faut éviter les ongles, madame. Non, ça passera pas, ça. Hop, 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 hop! Oh, le fumier par derrière! J'avais pas fait gaffe que les mecs, ils étaient capables de tirer par derrière. Ça, c'est une erreur. Ça fait plaisir, c'est rare. C'est le premier truc sympa que je découvre dans le jeu, du coup. Se faire latter par derrière. Bonjour, c'est où tu clignotes? Bonjour, arrête de bouger. Non, non, mais je m'en fous, ça. Ah, le bouclier. On va enfin voir comment marche le bouclier. Alors là, il va y avoir un truc rigolo. Genre le bon vieux cercle qui te tourne autour et te stresse avec des boulettes et des passages où tu ne peux pas passer. Ah, et toi tu es là, tu rages, et tu fais, non mais même pas mal, je vais gérer tranquille mon transit intestinal. Ouais, enfin au début ça se passe bien, puis à un moment, tu vas commencer à faire, oh, manque d'inattention, manque d'attention. Ah, ouais, non mais ça je veux pas, ça je veux pas non plus. Oh, putain, je l'ai passé un peu princier, c'est pour rattraper tous les fails que j'ai fait au démarrage du stream. Parce que j'ai fait vraiment beaucoup de merde. Voilà. Voilà. Non, mais là, ça va être dramatique. Nardine. Il a insisté un petit peu sur la fin. Bon, ça, c'est les phases que les vieux gamers de la vieille connaissent déjà, quoi. Je t'encercle, je te paterne, je te stresse. Pour ça, c'est chouette. Mais
Voyons plus loin. Le jeu, quand même, est... nous a pas balancé une seule pattern qui. Genre, quand tu la regardes, tu fais ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, c'est le moment où j'attends dans un shoot, quoi. C'est le moment où t'as un truc qui arrive en face et tu fais ah, what the fuck? Ouais, non, mais t'énerve pas. Regarde. Mais je suis pas bon ce soir, les gars, profitez-en. C'est quoi ce tir de merde que j'ai, quoi? Bonjour, Houston, Houston, je voudrais juste un tir, un vrai, tu sais, genre un truc qui couvre la moitié d'écran. Ah non, mais là, je suis colère. Alors, les dézooms, ça, c'est génial, comme c'est trouvé. Parce que ça t'agrandit l'écran, mais mine de rien, si tu fais trop le couillon, il t'envoie noir de gonze. Donc sur ça, il y a une idée qui est vraiment sympa. Moi, le principe du shoot vertical avec zoom, dézoom, pour agrandir la taille de bataille, de champ de bataille, et te mettre deux fois plus de... Ah non, mais j'ai fait de la merde. Vous ne saurez jamais ce qui arrive après. Voilà, c'était le stream improvisé de ce soir. Je suis désolé, c'est fait dans les conditions studio, c'est-à-dire n'importe quoi du moment. Pour vous présenter Vector Strain, qui est pas un... Bah, qui est un moyen shoot, en fait. Parce que c'est dur de dire des trucs méchants dessus, vu que c'est bien fait. C'est dur de dire des trucs bien, vu que... Il n'y a absolument rien qu'on n'ait pas déjà vu mille fois ailleurs. C'est du... On va résumer ça par... C'est du bon school game. J'ai la caméra qui bouge. Bonjour. Profitez-en, vous avez mon visage. Voilà. À 1 euro, bah, il n'y a pas vol, hein. Profitez-en. Si vous adorez les shoots, machin et tout, c'est sympa. Maintenant, ça serait bien que ces petits bonhommes continuent sur leur chemin. Et puis, arrivent à se monter des équipes sympas pour développer les produits qu'ils ont vraiment envie de faire. On sent qu'elle a envie. Donc voilà. Petite soirée Vector Strain, stream improvisé, des gros bisous. Si vous venez venir traquer, c'est sur Twitter après. On va continuer de boire des canons, faire n'importe quoi, être médisant sur le monde entier. Et je vous fais des énormes bisous. Non, pas trop énormes quand même. Des gros bisous. Des gros, ça suffira. Ciao. Bisous.